Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nazali Wabino, Étienne Symphorien, Kalala Mbalandri, de TVI du peuple RD Congo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce matin, nous allons parler juste d'un seul sujet. Notre souveraineté. Notre souveraineté est compromise par le fait que les serveurs de toutes les lignes téléphoniques se trouvent au Rwanda. Très bien. À l'époque où, à l'avènement du téléphone cellulaire, l'ancien président Mobutu, le feu président Mobutu, avait fait appel à des spécialistes rwandais. Ils sont venus installer à Kinshasa le téléphone cellulaire. Je pense que ça devait s'appeler Telecel, quelque chose comme ça. Bon, il se fait que Mobutu, le président Mobutu, étant conscient de la souveraineté du Congo, avait demandé aux exploitants de rapatrier ses serveurs, que ces serveurs reviennent au Congo, s'installer au Congo, pour éviter d'être écoutés par le Rwanda. Évidemment, à l'époque, c'était le président Habyarimana. Bon, Habyarimana, c'était son ami, donc on ne pouvait pas penser que Habyarimana pouvait faire du mal au pays, mais bon, il était question de la souveraineté. Mais il se fait qu'à l'avènement de Laurent Désiré Kabila, accompagné, aidé par le Rwanda, les Rwandais sont arrivés à Kinshasa, ils ont pris tous les serveurs. Ils les ont ramenés au Rwanda. Pourquoi? Évidemment, c'est simple. C'était pour mettre sur écoute tous les gouvernants congolais. Écouter même certains responsables. Et Laurent Désiré n'a rien fait pour changer cet état de choses. Ce qui fait que quand il a été assassiné, son fils adoptif d'origine rwandaise n'a pas changé la situation non plus. Au contraire, pendant 18 ans, il a continué à œuvrer pour le Rwanda, aider les intérêts du Rwanda et ne rien faire pour le Congo. Voilà pourquoi, pendant 18 ans, il s'est comporté comme un étranger. Il oubliait même parfois dans son langage, quand il parle comme si il n'était pas congolais. Évidemment, il ne l'était pas. Il disait par exemple un jour que mon échec, c'est de n'avoir pas changé le congolais, le zaïrois en congolais. S'il disait ça, ça veut dire que lui, il était qui à cette époque-là? Il n'était pas zaïrois. C'est inconscient, mais il l'a dit sans le savoir. On dit en français que bon chien chasse de bonne race. On reconnaît toujours les origines de quelqu'un par son comportement, sa façon de faire. Il n'avait jamais vécu au Congo. Il n'avait pas l'âme congolaise. Voilà, on voit la différence avec Félix Tshisekedi, le fils du pays. Même s'il est vilipendé par les partisans de Fayoulou, il est congolais, c'est un enfant du Congo. La situation, elle est telle qu'elle est là. Nous devrions faire avec. Alors, il y a une information que nous allons lire ensemble. Une information publiée par Actualité africaine. Quelque chose comme ça, on va le lire ensemble.
et vous allez comprendre les tenants et les aboutissants. Bon, il y a un acteur économique qui dit que il est possible d'avoir nos propres serveurs à partir de 3 millions de dollars. Et le Congo ne manque pas cet argent. Cet argent, c'est presque une recette peut-être d'un jour sur toute l'étendue de la République, ou même moins. Donc, nous demandons aux autorités congolaises, surtout au président de la République, d'œuvrer en sorte que notre Congo ait ses propres serveurs, être écouté par un pays qui nous a fait du mal, un pays qui est responsable des millions de morts au Congo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des médias occidentaux qui le disent, que Paul Kagame est responsable d'un million de morts au Congo RDC, que celui-là détienne les serveurs téléphoniques qui nous écoutent. C'est honteux et nous ne pouvons pas accepter cette situation. Très bien. Nous commençons la lecture. Chers compatriotes, avant de faire la lecture, permettez rapidement d'écouter cet audio et vous comprendrez. De l'RDC constitue un cheval de Troie pour le pays. Les techniciens de la télécommunication et informatique font une révélation selon laquelle les serveurs utilisés par la SCPT pour gérer la fibre optique de l'RDC a été installé par une société privée basée à Kigali. Et c'est à partir du Rwanda que toutes les communications transitent avant d'atteindre tous les destinataires. Cette révélation a été faite en marge du forum sur le numérique, dont Didier Kabou, un expert en data et numérique, indique que cette situation est connue au niveau de l'autorité de la SCPT. Il conseille à l'autorité publique de s'investir dans l'installation d'un serveur autonome ici à Kinshasa pour éviter les piratages massifs des communications en provenant et à destination de la RDC. Donc, Didier Kabou au micro de Walter Nkoué. Je vais parler de ce qui est plus frappant et difficile à comprendre. À la SCPT, si vous vous connectez, vous faites les tests des bandes passantes, vous allez vous rendre compte que le serveur qui est utilisé a été installé par Axiom Network qui est à Kigali. Le serveur qui est là vous donne les adresses IP, c'est comme le numéro de téléphone. C'est-à-dire que toute personne qui se connecte ici par la connexion passant par la SCPT de la fibre optique, l'adresse IP que vous recevez vient d'un serveur du Rwanda. Et c'est quoi le danger et quel conseil? Le danger, les dangers est énorme. Je donne un exemple. Nous passons un appel à partir de nos connexions ici, par WhatsApp ou n'importe quel. Les serveurs qui gèrent les numéros par lesquels sa connexion est reconnue de l'autre côté, c'est un serveur du Rwanda. C'est-à-dire que l'information passe d'abord au serveur du Rwanda, après ça atteint la personne cible, en termes même des mises en écoute. Et ils peuvent avoir toutes les informations de toutes nos communications que nous faisons. Est-ce que la SCPT le sait? Oui. Nous interpellons les autorités de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à être infiltrés jusqu'à ce niveau-là. Il faudrait que l'État, les autorités aient la bonne information. S'ils veulent douter, ils peuvent aller simplement à la SCPT. Ils trouveront que les serveurs qui font les routages, c'est le serveur du Rwanda qui faut fournir, qui contrôle nos connexions entrantes et les connexions sortantes. Combien peut coûter ce type de serveur? Il suffit vraiment qu'on installe un data center où le pays, ça ne coûtera rien. Aux environs de 3 millions et 5 millions de dollars américains. Il peut créer son data center avec les serveurs qui vont se faire le routage pour gérer la communication et des bandes passantes qu'il vend au télécom et des connexions qu'il va fournir lui-même à la population ou bien au service de l'État. Et dans la même rubrique, Don Dédieu Kabou, expert en data et numérique, indique que la RDC peut générer 5 milliards de dollars par an, l'argent que gagnent aujourd'hui les sociétés cellulaires, rien qu'en vendant les services d'accès aux réseaux sociaux. Selon lui, cela passe par deux étapes. Primo, l'installation par l'État des antennes Wi-Fi à partir de la fibre optique dans les grands centres urbains. En secondo, vendre directement la connexion Wi-Fi aux utilisateurs sans passer par les sociétés cellulaires. Ceci va leur permettre d'utiliser WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Skype et tous les autres réseaux sociaux sans acheter du crédit. Alors, chers compatriotes, vous comprenez comment et pourquoi le Rwanda nous a géré pendant tout ce temps, pendant plus de 18 ans, avec Kanembe Hippolyte, appelé Joseph Kabila abusivement.
chers compatriotes, c'est triste. Nous ne sommes pas souverains. Nous étions occupés. Et nous continuons à être occupés. Partiellement, nous avons récupéré le pouvoir, mais bon, très bien. Il faut maintenant récupérer complètement les rênes de ce pouvoir. Et c'est pour cela que nous devons aider le président Félix Tshisekedi. Maintenant, passons à la lecture. C'est donc une publication de l'Agence d'information d'Afrique centrale, en sigle ADIAC. Télécommunications. Le Rwanda contrôlerait le flux de communication numérique de la RDC. Voilà, c'est un scandale, hein? Selon un expert congolais en data numérique, le serveur qu'utilise la Société commerciale des postes et télécommunications, SCPT, et qui contrôle le flux des communications téléphoniques ainsi que toute la télécommunication passant par la fibre optique est installé par Axiom Network et basé à Kigali. Dans une intervention sur la chaîne Top Congo, en marge du forum sur le numérique, un expert en data numérique, le Congolais Don de Dieu Kabou, a affirmé que le Rwanda contrôlerait le flux de communication numérique de la République démocratique du Congo, RDC. C'est ce que nous venons de vous faire entendre dans l'audio que nous avons écouté. Ici, c'est publié par l'Agence d'information d'Afrique centrale. Donc, nous continuons la lecture. Voilà. Alors, Don de Dieu Kabou a affirmé que le Rwanda contrôlerait le flux de communication numérique de la République démocratique du Congo, notant que c'est la société Axiom Network, basée à Kigali, au Rwanda, qui a installé le serveur qu'utilise la SCPT. Cet expert soutient que toutes les communications en provenance ou à destination de la RDC transitent par Kigali avant d'atteindre leur destinataire. Pour s'en convaincre, il explique que toute personne qui se connecte par la connexion fibre optique verra que son adresse IP vient du Rwanda. Affirmant, ils peuvent avoir toutes les informations de toutes nos communications. Les autorités congolaises sont interpellées. Don de Dieu Kabou pense que le danger est énorme, étant donné que ce pays peut avoir toutes les informations de toutes les communications du Congo, son voisin. La SCPT le sait et nous ne pouvons pas être infiltrés jusqu'à ce niveau-là, a-t-il regretté. Il renseigne par ailleurs que ce serveur qui contrôle les informations entrantes et sortantes de la RDC ne coûterait qu'entre 3 et 5 millions de dollars américains. Ce qui le conduit à appeler les autorités congolaises à doter le pays d'un serveur autonome en vue d'éviter le piratage massif de ses communications entrantes et sortantes. La RDC pourrait avoir son propre serveur en installant son propre data center, a-t-il dit, interpellant ainsi les autorités du pays pour mettre fin à cette scandaleuse situation. Don de Dieu et Kabou pensent que des dispositions urgentes doivent être prises pour mettre fin à cette situation extrêmement grave
sur le plan sécuritaire. Alors, c'est écrit par Lucien Dianzenza. Voilà, chers compatriotes. Il était donc grand temps, chers compatriotes, que cette situation termine, comme le dit le conseil don de Dieu Kabou, aux autorités et à l'autorité suprême. Il devrait prendre des précautions que le Congo puisse avoir ses propres serveurs. Ça ne coûte rien par rapport à nos avoirs, aux avoirs du pays. Le Rwanda nous a fait du mal dans tous les domaines. Le Rwanda est responsable des millions de morts en République démocratique du Congo. Si le Rwanda s'en sort jusqu'à présent, c'est parce que il est encore utilisé par les Occidentaux et qu'ils trouvent que ce n'est pas encore l'heure de s'en occuper, mais un jour viendra. Un jour viendra. Le Rwanda payera pour tous les crimes qu'il a perpétrés en République démocratique du Congo. Cette responsabilité de millions de morts. Nous étions infiltrés jusqu'au sommet de l'État et Kagame n'avait pas sa langue dans la poche. Il le disait. Et même le sommet, il dépend de nous. Il a dit ça. Voilà, chers compatriotes, c'était rapidement, pendant une quinzaine de minutes, pour que nous puissions éveiller les consciences congolaises concernant cet opprobre que nous subissons de la part du Rwanda. Il faut que ça finisse. Voilà. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutikala Malamu, Benubikanambote, Wandugwapenzi, tout la Malisa, tout à Olana, Kesho. Pampangi amono ya luzoro benu bikala mbote betu tamalana mbasi bala betu basu ibwe shala ibib nitu munana chikondo chikwabu kufideo mkwabu ana lingo amboshila.